Hey, salut les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Wading Beach Challenge. Et qu'est-ce qui s'est passé si vous avez loupé l'épisode précédent? Vous ne l'avez pas vraiment loupé, vous pouvez toujours le voir sur la chaîne. Mais je vous conseille de le voir avant celui-ci. Eh bien, on s'est marié. On s'est marié avec Alexandre, ce qui fait qu'on a un total de quand même 95 points. Donc voilà, je me suis fixé que j'allais jusqu'à 5 maris. 5 maris en sachant que j'aurai des petits copains entre temps et que donc c'est ce quota de points peut grimper. Voilà, je referai proprement les règles à mon avis du Wading Beach Challenge sur mon site internet pour si vous désirez le faire. Donc j'ai regardé. Dans 7 jours, il faut que je regarde si je peux acheter une potion. Est-ce que je peux acheter une potion? Potion de jeunesse. Est-ce que j'en ai une sur moi? Je n'en ai pas sur moi. Je vais l'acheter. Je vais déjà l'acheter. Et hop. Voilà, je l'ai acheté. C'est nickel. C'est nickel. Elle est dans mon inventaire. Il faudra vraiment que je fasse attention que quand elle arrivera d'ici 2-3 jours, qu'elle la boive pour vraiment gagner du temps. Voilà, donc on en était où les deux là? Ils sont allez, tu travailles dur, toi aussi, et toi tu fais quoi? Toi tu me sers à quoi? Tu me sers à quoi? Tu me sers à rien. Enfin si, il me sert à quelque chose, mais bon, il doit faire sa tâche du jour, il doit remplir les rapports, il doit... Ah, c'est bien, tu rapportes des sous à la maison, c'est très bien mon petit Travis. Qu'est-ce que tu dois faire toi pour ton travail? De la programmation, c'est très bien. Mais d'abord, tu vas aller me réparer les shots, parce que, ben voilà. Hein. Et puis après, tu vas... ah oui, non. Non, peut-être pas. Non, descends. Non, c'est bon, descends. Utiliser. Tu vas prendre une douche parce que tu pues. Tu vas essuyer ça. Et après, tu vas bouffer un bout. Ouvrir. Non, ça. Bouffe ça. Prendre une portion. Ensuite, je vais dortir un truc Halloween. C'est pas grave. Et puis après, tu vas... geeker, tout simplement. Voilà. Toi, tu fais quoi, toi? Tu sers à quoi? Rien du tout. Rien du tout. Bah, tu vas payer les factures, ça pourrait être toujours utile. 3000 balles, les factures. Oh, ça fait mal au cul, hein, ça, les gars. Hop. Bon, c'est bon, allez, détends-toi un petit peu. Voilà, elle, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Tu fais rien du tout. Elle va aller faire un peu de sport, tiens. Un petit peu de sport. Allez, va t'entraîner, ma belle, pour rester en forme. Hein? S'il te plaît. Elle va se péter dessus! Eh, vas-y, tu peux le faire. Nickel, c'est bien. C'est bien, madame. Bon. Est-ce qu'il est assez détendu? Non, vas-y, détends-toi. Toi, tu... Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, ok. Bon, vous savez quoi? Ah merde, on s'est pas remplacé. Il a réparé ça après. Puis il essuiera la flaque. Et puis après, il ira jouer. Hein. Oh, ils sont un peu utiles, hein. Dans ma vie. Toi. C'est bon, t'es assez diverti. Va becter un bout. Et puis, il va... Hop. C'est par où? Web. Remplir des rapports. Voilà, ça c'est bien. Elle. Où est ça, ta mère? Prendre une douche, voilà. Oh non! Je sais ce qu'on va faire. Comme elle va admirer le nouveau bien. Voilà, je sais pas pourquoi apparemment t'appliques le truc et d'application là. Voilà. Allez, prendre une douche. Ça va faire du bien.
Ah. Bah vas-y, oui, fous-moi le bordel. Oh, je vous jure, ces mecs, il faut tout faire ici. Gardez-moi un peu le bordel qu'ils me laissent, ces mecs, c'est pas possible, faut vraiment tout faire. Ils m'ont pris quoi, pour leur boniche ou quoi? Bon, ok, ils me prennent peut-être pour leur boniche, mais moi je les prends pour des portefeuilles sur pattes, donc c'est pas forcément mieux, hein, je vous l'accorde. Hop, allez, nettoie-moi ça, il y a des choses à faire, allez, on se rend utile alors, hein, une fois dans notre vie, hein. Hein, dans notre vie de fille pas correcte, jetée. Bon, on va même faire ça mieux. On va essuyer. Ah, une ambulance qui vient, tiens, c'est original. Toi, est-ce que tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Arrête, 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 arrête. Entraîne-toi à programmer, s'il te plaît. Peut-être qu'il faut juste programmer. Attendez. Programmer. Allez, voilà. Hop, vive les Sims. Donne, qui nous a rien foutu? Ah si, en fait, il est méga pas bien, en fait. Allez, c'est bon. Détends-toi. Regarde la chaîne de cuisine. Tiens, ça sera toujours utile. Ah, il bosse pas le lendemain, donc ça c'est déjà bien. Lui, on pourra déjà... Qui bosse le lendemain? Lui, il bosse. Lui, il bosse, donc demain, on pourra faire des cochonneries done si on veut. Oh là là. Ce Sims. Ouais. Il a fini, lui? Et il a fini sa tâche du jour, c'est très bien. T'auras une gommette. T'as fini ta tâche? Allez, dépêche-toi. S'il vous plaît, hein. Tu es un geek, donc tu encaisses très bien les nuits courtes, hein, on va dire ça comme ça. Rien à voir, les amis, rien à voir, j'ai de la merde, comme d'habitude. Ça va, t'en sors? Lol. Ok, qu'est-ce qu'il a, étrangeleur? J'en sais rien. Ah, oh, de la cuisine. Oh, je me verrais bien t'aller ça sur le corps de Myriana. Excusez-moi. Oh là là. Oh, Sainte-Mère. Allez. C'est bon, t'es détendu. Il est détendu, brave petit. Hop. Il va nous cuisiner un truc. Il va nous cuisiner. Il va nous cuisiner quoi, notre petit, là? Il va nous faire des pancakes, tiens, pour le lendemain matin. Allez, Don, fais-nous un bon petit plat, s'il te plaît. Voilà, c'est nickel. C'est perfecto. Tu la nettoies toi-même. Ah, quel homme. Quel homme, c'est lui que j'aurais dû épouser. Il n'était pas suffisamment mignon, donc voilà. Et puis, c'est encore un sportif qui va mettre du temps à crever, donc voilà. Je crois qu'on va devoir encore l'enfermer dans la truc, celui-là. Toi, à dormir. Bosse à quelle heure? Ouh là là! Oh là là, le mec, il bosse dans 4 heures. Je sens que ça va être chaud là, les gars, quand même. Je sens que ça va être chaud. Donne. Va dormir là. En fait, il faudrait que j'inverse les chambres. Oh, c'est pas grave. On fera ça prochainement. C'est vrai que c'est vachement plus belle. Alexandre. Alexandre se lève. Papan! Papan est gai comme un passon. Il y va, c'est nickel.
toi, tu vas être à la bourre. Allez, s'il vous plaît, lève-toi. Tu sais que tu es à la bourre? Allez. Allez, va bosser. Lui, allez, travaillez dur, s'il vous plaît. Ah, tu m'as une promotion. Oula, oula, oula! Détournement de fonds. Alexandre a noté des anomalies dans les notes de frais de son manager. Il s'avère que ceux-ci détournent de l'argent d'entreprise. Alexandre doit-il le signaler? Vous feriez quoi, vous, dans les commentaires? Dites un peu, parce que... Allez, on va jouer l'honnêteté. Ok. Bon, j'espère que ça aura été bien. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as la dalle. Bah écoute, un de tes copains a fait un pancake. Il a fait des pancakes, donc ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bon. Ouvrir, prendre une portion, voilà. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a? Ah oui, mais elle a des... Environnement déplaisant? Bon, c'est pas grave, Don va réparer ça quand il sera levé, hein. Allez, lève-toi. Le code bâclé. Travis remarque que son nouveau collègue a créé un énorme bug, t'as-tu? Résoudre le bug. Nickel. Donc, est-ce que Travis a eu une bonne... Ouais, c'est possible que Travis et Alexandre aient tous les deux, je pense, une promotion. Ça peut être chouette, j'espère pour eux. Et pour Myriana aussi, parce que sinon, c'est pas amusant. Allez, termine ton truc. Qu'est-ce que... Ok, Don a fini son truc, c'est bien. Hop, voilà, j'efface le truc ici. Moi, je sais ce qu'on va faire, les gars. Don, elle s'ennuie, là. Don, essuie ça, s'il vous plaît. Essuyez. L'envie de quoi, lui? Voilà, t'as faim? Non. Moi, je sais ce qu'on va faire. Moi, je sais ce qu'on va faire, les gars. Allez ici. On n'est plus amoureux de Myriana. Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Flirter avec Myriana. Bon, on va le faire. On va le faire. Amour, draguer. Enlacer. Oh, il a perdu beaucoup en amour avec elle. Draguer. Ouh là là, il a perdu beaucoup en amour avec elle. Tandis que elle, bah, c'est pas grave, on va grimper ça pour bien le couillonner. On va bien le couillonner. On va bien te couillonner. C'est très bien. C'est très très bien. Plus de choix, amour, embrasser. Yes! Ouh! Ça devient l'amour. Draguer. C'est quoi ce qu'il veut faire? Regarder les nuages. Ok. Si tu veux. Don't care. On s'en fout. Plus de choix, amour. On peut déjà faire des choses? Non, pas encore. Allez, on continue les câlins, les bisous, parce que je me rends compte que... What the fuck? Pourquoi? Ok. Connaissance tourtereau, petite amie. Attendez. Carrière. Conjoint. Oh mince, il sait ça. Ah, il le sait. Bon bah.
Oh bah alors c'est qu'il est vraiment con les gars, entre vous, enfin voilà quoi, c'est entre nous. Donc le mec il se fait couillonner, il le sait quoi. Allez, embrasser, allez moi je veux des bisous, des bisous, des bisous. Plein de bisous, faire crac crac avec, voilà. Bon bah voilà, ça va les rapprocher ça. Oui, Alexandra a une promotion. Super. Premier au poste de directeur adjoint, gagnera de maîtrise ou de plus par heure, soit 38 pouces au total. Il a également reçu un bonus 187 et se vanter de sa profession. Oh. Quel jour de congé disponible, c'est parfait les amis. Donc bah, pendant que... c'est horrible. Atteindre la compétence 3 en... Oui, 3 en charisme, ok. Nickel. Ça c'est super cool. S'entraîner à faire un discours. Allez, on y va direct. Hein, tu t'entraînes. Lui... Oh, on peut déjà faire ça. Bon. Allez, prends une douche. Et il va manger un petit bout. Il va cuisiner un truc. Il va cuisiner un truc de toute façon. On va lui faire faire du tilapia frit à la poêle. Oh, ça me donne faim ça les gars. J'ai pas encore préparé là. J'ai eu du temps donc je tourne plein de vidéos aujourd'hui parce que bientôt... Enfin, je vous tourne vraiment des vidéos à l'avance parce que j'ai pas le choix. Là, on est fin octobre et oui, vous voyez à quel point je tourne à l'avance. Mais j'ai pas le choix parce que je vais avoir des heures sup pour le mois de novembre. Et en plus, après, c'est les fêtes. Et comme vous savez, mon boulot de vendeuse, voilà, j'ai pas le choix, quoi. J'ai vraiment pas le choix. C'est ça où vous avez pas de vidéo, donc voilà. Donc, ma petite louloute, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là, elle est super enjôleuse. Oh là là, elle est super enjôleuse. Waouh. Et toi, qu'est-ce que tu as, de quoi tu as envie? Oui, je sais ce qu'on va faire. Elle va aller un petit peu s'entraîner. Voilà, un petit peu s'entraîner, un petit peu d'entraînement pour maintenir sa forme, ses jolies formes. Et niveau 4 en fitness, ça c'est super. Et notre... Oui. Super. Donc promu au poste, attendez, je mets la pause. Promu au poste ingénieur hors pair. Travis a été promu ingénieur hors pair et gagnera des hommes. Et c'est Simflouz de plus par heure, soit 63 Simflouz. Alors, il gagne mieux sa vie que Travis que... Quelle purée, j'aurais dû lui poser lui. Il a également reçu un bonus 630 et une horloge sentinelle. C'est quoi une horloge sentinelle? Je sais absolument pas ce que c'est, les gars. Je vais regarder ce que c'est, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que cela? Une horloge sentinelle. Ouh, et on a eu plein de trucs, les gars. On a eu plein de trucs. C'est quoi? Récompense, vente, carrière, affaire. Oh, c'est super. C'est trop cool. On va mettre ça là. Ah, ça, c'est génial. On a débloqué les fleurs. Bon, l'armure, non, voilà, on l'aime pas. On va mettre les fleurs ici, on va mettre ceci ici, ça décorera un petit peu plus. Le truc avec le bateau, ouais, alors on va le mettre là. C'est quoi en fait? On a ça comment? Ouais, bon, allez, si on le garde là. Une horloge, ouais, une jolie horloge. On va le mettre dans la chambre de Travis, comme c'est quand même lui qui l'a eu. Hop, on va la mettre, où est-ce qu'on va la mettre? On va la mettre ici. Voilà. Par contre, il n'a pas d'armoire, Travis. Je trouve ça limite un peu triste ou nez. Attendez, on va mettre ça où, son armoire? On va lui mettre une armoire quand même. J'ai envie de lui faire un petit cadeau. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Hop, un truc de rangement. Parce qu'on a plein de fric, on ne sait pas quoi en faire, donc on peut en profiter. Rangement. Hop. On met celle-là?
Ouais, c'est joli ça. Ça, c'est joli. Et on va mettre des posters. Tiens, je vais mettre quelques posters pour que ça soit agréable pour lui. Et les sushis, je vois que je vais devoir bientôt vous laisser parce qu'on arrive aux 20 minutes. Et je vous reprends dans un prochain épisode. Je vous fais des gros poutous. On terminera de redécorer la chambre de Trévis. Je pense quand même que j'ai les papiers pas vraiment pour faire un petit look bien, bien geek. Donc voilà. Des bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.